D'accord, c'est fait. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la session du Billet Talk du mois de juin. Donc, désolé pour le report de la session qui était prévue initialement le 26 juin, qui n'a pas pu se tenir, malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Donc, bienvenue à tous et merci aussi à Stéphane pour sa compréhension. Et donc, Stéphane, sans plus tarder, je te dis bonsoir déjà, bonsoir à tous. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de te recevoir. Tu vas nous entretenir sur le thème qui est très, très important pour nous aujourd'hui, qui est analyste d'affaires ou en parenthèse business analyst et contrôleur de projet, un duo gagnant pour la réussite des projets dans un environnement complexe. Pourquoi dans un environnement complexe? Tu nous diras, tu nous donneras tous les détails, mais comme tu fais bien les choses, tu m'as demandé de partager un QR code qui va me permettre de mieux comprendre la session qui aura lieu aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je vais partager le QR code et je vais te demander de te présenter pendant ce temps-là. Ok, merci Nadège. Ça fait plaisir d'être là pour présenter, discuter sur ce sujet. Alors, pour me présenter, on va dire, j'ai un parcours atypique, hein, Stéphane Guessant. Donc, je viens de la Côte d'Ivoire. Donc, un parcours de formation de base, réseau télécom, génie logiciel. Après, je laisse tout ce qui est réseau, génie logiciel, je me retrouve dans le domaine de la construction, où je suis commercial, technico-commercial, responsable des produits, chef chantier, et je découvre le monde de la gestion de projet, mais plutôt traditionnel. Voilà. Donc, encore à quoi avec les architectes, les ingénieurs, j'ai voulu pousser toujours dans le domaine de la gestion de projet. Donc, après 6 années, ouais, 6 années d'expérience en Côte d'Ivoire, je viens au Canada pour une formation en MBA, donc spécialité gestion stratégique de projet à l'Université Laval. Et par la suite, durant mon parcours, j'intègre Industrielle Alliance comme contrôleur de projet. Et après ma formation, dans le même cours, je vais chez Levio comme consultant en gestion de projet. Et là, présentement, je suis à l'Assemblée nationale comme conseiller en planification et contrôle de projet. Donc, de façon résumée, avec un parcours atypique, voici un peu présenter mon parcours et ma personne. Merci beaucoup Stéphane. Donc Stéphane nous a mis à disposition un QR code. Donc n'hésitez pas à le scanner. Si vous avez des difficultés à le scanner, laissez un message dans le chat ou levez la main pour assistance. Si tu peux mettre aussi le lien, si possible, dans le chat. Je OK. pense que je vais essayer. Pour ceux qui n'ont pas les téléphones en main, sûrement. D'accord. Tu m'avais envoyé le lien. Oui, je pense que je peux l'avoir. Ok. Bon, là, comme je suis en mode partage, je vais te demander Ouais, de mettre le lien ok. dans le chat, s'il te D'accord, plaît. parfait. Voilà, c'est fait. Tu me dis à quel moment je commence un peu, à combien exactement? D'accord, on attend que tout le monde confirme. On peut confirmer dans le chat que vous avez pu scanner le QR code. Quand on a votre OK, on pourra commencer. C'est juste des questions vraies ou fausses, il n'y a pas de 5 petites questions. Oui, non et tout. Ouais.
On va, je vais te laisser partager ton écran dans 2 minutes. Donc à 15, je te laisse partager ton écran. Donc c'est OK pour Monsieur Hamon, OK pour Anifa. J'essaie de voir avec les autres. Il y a Monsieur Roland Yao. Est-ce que c'est bon pour vous? Ismaël, est-ce que c'est bon pour vous aussi? On a encore 2 minutes. Okay. Stéphane, je vais te laisser partager ton écran. Mais dis si je peux commencer, moi bon, j'ai commencé. Tu as mon go, il est exactement 15, donc the floor is yours. Et on va regarder le sondage rapidement. Est-ce que vous voyez mon portail, c'est bon? Affirmatif. Parfait. Donnez-moi juste 2 minutes. Je regarde le sondage. C'est pour juste orienter la discussion. Je peux vous partager aussi le sondage au besoin. Donc, pour la première question qui consistait à avez-vous déjà travaillé sur un projet en collaboration avec un business analyst ou un PMO? Alors là, on est un peu mitigé. Donc, non, 50%. Il y a 4% qui ont répondu. Donc, 2 personnes, non. Oui, les deux, parfait. La deuxième question, quel est votre niveau de familiarité avec les rôles de business analyst et autres? Très familial, ouais, très familier. Assez familier. Est-ce qu'on m'entend? Sinon, je prends un micro ainsi, on ne m'entend pas très bien. On t'entend très bien. Moi, Parfait. je t'entends. Donc, les autres, vous entendez aussi? Pense que c'est OK. bon. OK. Si tu m'entends, les autres m'entendent. Alors, pour la troisième question aussi, on est un peu partagé. OK. Donc, parfait. Donc, c'est pour savoir où on va. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet, analyse d'affaires et coordonnateur de projet? Donc, vous allez voir un peu que j'ai dû faire une petite modification au lieu de contrôleur de projet, qui est un peu micro-projet, le coordonnateur de projet qui est plus macro. On verra un peu en détail ces différents éléments là-dedans. Donc, un duo gagnant pour la réussite de projet dans un environnement complexe. Donc, en fonction de ma présentation, comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu à travailler dans un environnement traditionnel de gestion de projet. Tout de suite avant de commencer, donc en fonction des questions, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main, à m'interrompre, puis poser des questions tout de suite. Je suis sur 2 écrans, donc si je ne vois pas, Nadège, tu peux m'interrompre, puis m'indiquer une question. Alors, D'accord. donc pourquoi est-ce que j'ai eu à choisir ce sujet? J'ai eu à travailler dans un environnement où j'avais pas connu de business analyst, donc dans un environnement traditionnel carrément, la construction. Et puis en Côte d'Ivoire, je pense que ce rôle, c'est maintenant qu'il est en train d'être mis au devant et tout ça. Et arrivé au Canada, j'ai découvert ce rôle de business analyst et puis j'ai eu à travailler sur des projets avec eux et j'ai vu un peu le résultat que cela donnait sur les différents projets. Voilà. Donc voilà pourquoi l'intérêt pour moi de parler de ce sujet aujourd'hui.
Alors, Nadège, au total, j'ai combien de minutes? 1 h 50, 1 h 30. On va dire que normalement tu as 1 heure de présentation, mais pas 1 heure de Parfait. présentation, on va dire 1 heure d'échange. Voilà, c'est ça. OK, d'accord. Bon, C'est 1 heure 1 heure d'échange, parfait. d'échange. OK. Voilà. Donc, juste quelques minutes. Je précise que c'est un talk. Donc, n'hésitez OK. pas à poser vos questions. C'est des interactions. C'est pas une Effectivement. présentation jusqu'à la fin. Mais si vous sentez qu'il y a une question qui vous trotte à l'esprit, n'hésitez pas à poser la question. Parfait. Et pour les érudits aussi qui sont dans le domaine, hein, comme je l'ai dit tantôt, on ne cesse pas d'apprendre. Donc, pour ceux qui ont des préoccupations, qui pensent qu'il y a des points qui ne sont pas très corrects, n'hésitez pas à les blâmer. Puis, on en discute. Donc, notre échange va se porter sur ces 4 points. Donc, dans un premier temps, nous aurons un rappel sur tout ce qui est environnement complexe. Donc, c'est quoi la complexité dans un projet? Quels sont les éléments qui font qu'on parle de complexité dans un projet? Quels sont les critères de réussite aussi d'un projet? Parce qu'on a des critères. Voilà, on verra le triangle d'or avec d'autres éléments qui vont avec. On parlera aussi des différents rôles, donc business analyst, PMO. Et puis, il y a un troisième acteur qui va rentrer en ligne de compte sur le projet. Donc, au troisième point, on fera une synthèse. Hein. Donc, pour voir un peu dans un bureau de projet, comment est-ce que ces différentes parties prenantes réussissent à communiquer pour livrer de la valeur. Et on aura un schéma, on va faire l'analogie avec le sport, le football que tout le monde regarde, qui peut être considéré comme un business analyst, un PMO et puis un chargé de projet si je suis un terrain de foot. Et à la fin, on aura un petit quiz. Alors, donc, pour la partie rappel, voilà, comprenons que nous avons différents types de gestion de projet, mais on peut les catégoriser ici en trois types de gestion de projet. Donc, on a la gestion de projet qui sera dite agile. Donc, c'est généralement la gestion qui va consister à livrer de la valeur. On connaît ce qu'on veut faire, par exemple, le produit qu'on veut livrer, mais le chemin pour y arriver est assez complexe et on ne connaît pas exactement le chemin qu'il faut emprunter. Donc, généralement, dans ce type de projet, on utilise généralement la gestion de projet agile. Donc, on a une approche itérative qui sera incrémentale, axée sur la collaboration, la flexibilité et la livraison de valeur, la gestion de projet. Bon, elle est caractérisée par plusieurs éléments, hein. Donc, livraison fréquente, incrémentale. On a une flexibilité, une adaptation au changement, ce qui est vraiment contraire à la gestion de projet traditionnelle, où généralement, on a pas mal d'éléments qui sont figés dans le béton. Voilà. Donc, au deuxième point, on aura la gestion de projet traditionnelle ou waterfall dans d'autres environnements. Voilà. Donc, c'est une approche séquentielle, donc étape par étape, étape par étape, voilà, et linéaire, où chaque phase du projet doit être complétée avant de passer à une autre. Donc, généralement, on parlera des 4 phases, donc la phase d'initialisation ou de démarrage, la phase de planification, la phase d'exécution et de maîtrise, en même temps, et puis la phase de clôture. Donc, dans ce type de gestion de projet, généralement pour la construction du meuble, tout ça, on fait la fondation, on finit la fondation, on monte nos briques, et ainsi de suite. Voilà. Donc, dans cette phase, dans ce type de gestion de projet aussi, on est caractérisé par plusieurs éléments. Donc, la planification est détaillée, on a la documentation et tout. Et comprenez ici que, ici, par exemple, le type de changement est vraiment très, très, très rigide. Donc, on n'est pas plutôt dans la gestion de projet où on facilite les changements et tout derrière. Voilà. Et on aura le troisième type ici, qui serait une combinaison des deux. Donc, la gestion de projet dans un environnement, on dira hybride. Donc, on va utiliser un peu les chaque. On va prendre, si vous voulez, le corps de la gestion de projet traditionnelle, dans lequel on va utiliser certains éléments de la gestion de projet agile pour livrer de la valeur. Parce qu'on a des parties prenantes qui seront comme beaucoup scotchées à la gestion de projet traditionnelle. Par contre, le produit qu'on veut livrer ici, c'est un produit qu'on connaît, mais pour y arriver, les étapes ne sont vraiment pas connues. Ce n'est pas une approche ici séquentielle et linéaire. Donc, on va utiliser ces deux méthodes, pour les mettre ensemble pour parler de la gestion de projet hybride. Donc, ça, c'est vraiment à titre de rappel pour voir un peu plus tard dans quel contexte les deux éléments arrivent à collaborer. Donc, au niveau des rôles et responsabilités. Donc, à la base, je ne suis pas un business analyste. Hein. Mais, comme je l'ai dit, j'ai eu à travailler avec les business analystes. Donc, un business analyst, c'est cette personne qui va comprendre les besoins des parties prenantes. Donc, moi, je les appelle généralement la porte d'entrée. Donc,
généralement, c'est l'élément central, l'élément pivot. Donc, tout ce qui est besoin, qui n'est Merci pour la pas... précision. Ouais. Donc, tout ce qui sera besoin. On voit ici que le business analyst, qui est la porte d'entrée, qui va comprendre les besoins des différentes parties prenantes, des utilisateurs et tout l'environnement derrière, c'est ceux-là qui vont analyser le besoin, les traduire en exigences fonctionnelles et techniques. Donc, si on n'a pas une bonne compréhension sur le business analyst, voilà pourquoi c'est un élément très pivot, très moteur dans la gestion de projet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, toutes les organisations doivent vraiment se doter d'un business analyst. Donc, celui-là, en collaboration avec les chargés de projet, les PMO, ils vont collaborer pour livrer de la valeur. Donc, derrière, le business analyst va venir avec ses besoins. Donc, la porte d'entrée va venir avec ses besoins pour dire, ah, voici ce que les utilisateurs attendent de nous, voici ce que les différentes parties prenantes attendent de nous. Et en fonction de ça, on va travailler. Donc, au fur et à mesure, ils seront en collaboration. Ce n'est pas comme si le business analyst prend et donne le travail aux différentes parties prenantes et puis, lui, derrière, il n'intervient plus. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, mais c'est vraiment la porte d'entrée. Le chargé de projet ici, il sera. Donc, derrière, on a les responsabilités, hein, les business analysts. Il y en a tellement. Donc, ici, j'ai pris juste quelques listes. Donc, il va identifier et analyser les besoins. Le business analyst va documenter aussi et modéliser les processus métiers. Voilà. Pour toutes les questions assez profondes sur l'élément, on avait je intervenir là-dessus. Donc, le business analyst aussi va effectuer toute la communication qui va s'effectuer dans le projet avec toutes les parties prenantes. Ça ne veut pas dire que aussi le PMO ou le chargé de projet ne s'occupe pas de tout ce qui est communication. Stéphane, il Voilà. y a une question pour toi. Je voulais juste ajouter quelque chose. En fait, Après. comme il a dit, le business analyst, c'est la porte d'entrée et c'est le business analyst qui identifie le besoin et qui décide, en fonction de ses analyses et de ses indicateurs, de dire que ça peut être traité comme un projet. Et en ce moment, il passe la main au coordonnateur ou au chargé de projet qui va maintenant structurer toute l'approche liée à la gestion de projet dans lequel le business analyst maintenant viendra cocher des cases. Donc, il y a une question pour toi. Il y a Okay. Steph, non, c'est Yao Roland, qui, si je ne me trompe pas, qui demande, est-ce que le business analyst peut jouer le rôle de Scrum Master ou de Product Owner? Mais Je tu te laisse réponds dans la répondre. Donne tête. ton avis et puis après, je vais répondre. Disons que chaque rôle a ses ses spécifications, pardon. Voilà. Donc, en fonction de la maturité, si on rentre dans la rigueur en termes de gestion de projet, le business analyst n'est pas un Scrum Master. Un Scrum Master, c'est un Scrum Master. Mais derrière, il y a, comme je l'ai dit, il y a la maturité de la gestion de projet. Certaines personnes vont mettre un bureau de projet en place, ils vont donner un rôle. Et généralement, on voit ça souvent chez nous. Il y a la personne qui a le rôle de Product Owner, qui a le rôle de Scrum Master, le rôle de toute la ligne en même temps. Mais dans la gestion de projet, de façon rigoureuse, un business analyst reste un business analyst. Un Scrum Master reste un Scrum Master, un Product Owner, ainsi de suite. Donc, Nadège, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, je vais ajouter dans l'ensemble, lorsqu'on parle d'agilité, il y a plusieurs frameworks. Et lorsqu'on va te parler, non, est-ce que je ne me suis pas trompée? Lorsqu'on te parle du framework Dans lequel on travaille, dans lequel on travaille, tu vas entendre parler de Scrum Master, Product Owner, il n'y aura pas de business analyst. Mais quand tu vas rentrer dans un contexte de gestion de traditionnel, projet hybride ou hybride ou traditionnel, traditionnel, tu ouais. auras forcément un business Aussi. analyst et dans le nom reste business analyst. Donc, quand on est dans le contexte, dans le framework agile, tu auras Agile. Scrum Master, Product Owner. Product. Les rôles peuvent se ressembler, mais la séquence dans laquelle les activités ou les tâches se produisent font que ce rôle-là, leur est propre. Donc, quand on n'est pas dans un contexte agile, donc dans une gestion de projet classique, on va appeler peut-être le Scrum Master ou le Product Owner Business Analyst. Mais lorsqu'on est en agilité, ils ont leur nom et ils ont leur job description aussi. Donc, est-ce que c'est Effectivement. clair pour toi? C'est qui a posé la question? On peut ouvrir son micro pour répondre. C'est C'est bon? Roland. Il a Ok. répondu dans le chat. Ok, c'est bon. Parfait.
Donc, pour revenir au rôle de PMO, moi, je suis vraiment un TMO, si vous voulez. Donc, ici, le PMO sera, on va dire, moi, je l'appelle le gardien du temple, donc c'est cette personne-là. Donc, il faut différencier PMO, pardon, pour Office, donc le bureau de projet, et PMO pour la personne qui sera comme le gardien du temple. Voilà. Donc, on aura trois types ici, hein, selon le PMBOK. On aura trois types de bureaux de projet. Et trois, pardon, on aura le bureau qui est appelé PMO, mais en termes de personnes qui est gardien du temple, on aura trois types. Donc, on a des PMO en fonction de la maturité du bureau de projet dans lequel on se trouve. On aura des PMO qui seront des types qui vont supporter, il y a d'autres qui vont contrôler, il y a d'autres qui seront vraiment au niveau de la direction. J'avais essayé d'être sur le slide, mais n'hésite pas à me dire. Enfin, je me laisse emporter par. Non, pas de Alors. souci. On arrive à suivre pour le moment, donc ça va. OK. D'accord. Donc, avant de rentrer sur des cas pratiques de projet pour voir comment est-ce que ces deux parties prenantes collaborent, il faut comprendre même c'est quoi la complexité d'un projet en gestion de projet. Donc, la complexité sera caractérisée par plusieurs éléments. Il y a des facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Voilà. Donc, ici, on parle de complexité de projet. Un environnement complexe se caractérise par des variables changeantes. Donc, on aura plusieurs variables changeantes. On a des grandes incertitudes, par exemple. On aura des interactions très dynamiques entre les parties prenantes. Admettons un projet, je vais prendre quel projet où tout le monde sera familier avec ce projet. Par exemple, le projet du troisième pont, qui était un projet vraiment traditionnel, où il y avait tellement de parties prenantes. Donc, on avait plusieurs variables qui changeaient au fur et à mesure. C'est un projet sur lequel j'ai eu à travailler quand j'étais encore pays. Donc, il y avait plusieurs variables qui changeaient au fur du temps. Et puis, la communication parfois était un peu difficile. C'était un peu difficile. Donc, on a l'environnement qui sera dit complexe lorsqu'on a différentes variables qui changent au fur et à mesure. On a des incertitudes qui vont arriver. Voilà. Et derrière ça, on a des facteurs qui vont rendre cela très complexe. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le nombre de parties prenantes. On aura la technologie qui sera évolutive aussi. Ça arrive très souvent. Donc, on a dans un bureau de projet, on a d'autres personnes qui travaillent sur d'autres technologies. On a d'autres personnes qui vont travailler aussi sur d'autres technologies. Voilà. Au niveau du défi spécifique, hein, donc gérer les attentes contradictoires. Donc, ça, c'est vraiment un gros élément important dans la gestion de projet. Donc, ici, le business analyst et le PMO vont mettre un cadre de travail dans lequel toutes les parties prenantes étant identifiées dès la base seront entretenues au fur et à mesure pour la bonne marche du projet en tant que tel. Donc, la stratégie de gestion, c'est être adaptable et flexible, bien entendu, et maintenir une communication efficace pour oser la résilience organisationnelle. Donc, en gestion de projet, bien entendu, on a des critères de réussite d'un projet. Donc, autrement appelé le triangle d'or ou le triangle de fer, je pense bien. On parlait de délai, de budget, de qualité. Mais derrière, on a la satisfaction de toutes les parties prenantes parce qu'on s'est retrouvé avec plusieurs projets qu'on appelle les éléphants blancs. Hein. Donc, des projets qui ont été conçus, qui sont rentrés dans le budget, dont la qualité était excellente. Et à la fin, les utilisateurs ne se sentent pas dans ce projet-là. Donc, pour éviter ces différents éléments, il y a cette partie qui a été ajoutée, je pense bien récemment, je ne sais plus dans quelle version du PMBOK, de la gestion de projet. Donc, la satisfaction des parties prenantes sera un élément vraiment très important, d'où la gestion de projet traditionnelle ou hybride, où au fur et à mesure, on échange avec toutes les parties prenantes pour voir est-ce que les éléments que nous sommes en train de livrer rentrent dans ce qui a été dit initialement dans les différents livres. Et du coup, moi j'ai une question. Yes. Quels sont les indicateurs qui permettent en fait de déterminer la satisfaction des parties prenantes? Ça va dépendre du type de partie prenante, par exemple. Hein. Voilà. Donc, derrière, il y a une cartographie qui va se faire. Donc, il faut comprendre que la partie prenante, là, il y a une cartographie qui va se faire au départ. Donc, on va identifier toutes les parties prenantes qui sont avec nous. Donc, on a deux catégories, si vous voulez. Donc, il y a les parties prenantes qui seront dites internes, donc primaires. Et les parties prenantes qui seront dites secondaires, externes. Voilà, donc c'est clair que les parties prenantes internes n'ont pas les mêmes critères d'exigence. Quand il dit parties prenantes internes, c'est ceux qui seront dans le bureau de projet.
Donc, ça peut être mon collègue, par exemple, business analyst, qui est une partie prenante. Ça peut être les employés d'une entreprise, par exemple. Et les parties prenantes externes seront les parties prenantes qui sont généralement appelées extérieures du bureau. Donc, je prends un exemple, quelqu'un qui. Je prends beaucoup les exemples en construction pour essayer de rendre ça factuel. Après, je peux prendre des exemples dans la tech et tout. Voilà. Admettons, on fait la construction du pont, par exemple, toujours au niveau d'un nono. Donc, on voit par exemple, qu'il y a eu des populations qui ont été délocalisées. Donc, ces différentes parties prenantes-là n'ont pas les mêmes critères de satisfaction que les parties prenantes qui se trouvent à l'intérieur du bureau, par exemple. Voilà. Donc, les critères vont généralement bouger en fonction du type de partie prenante. Donc, je prends une partie prenante en interne du bureau. Lui, son critère, par exemple, ça sera, comment on appelle ça, la flexibilité, par exemple, l'utilisation de l'outil, donc l'outil qui sera mis en place dans l'entreprise, l'outil qu'il va utiliser. Est-ce que cet outil-là ne va pas changer son quotidien? Donc, il va falloir discuter, par exemple, avec cette partie prenante, voir au fur et à mesure, mettre, il y a plusieurs choses qui se font, hein, comme des checklists et tout. Voilà. Donc, par exemple, l'outil que nous allons utiliser, bien entendu, pour le projet qui est en train d'être déployé, voici tel outil, voici ses avantages, voici ses inconvénients. Donc, au fur et à mesure, faire comprendre à cette partie prenante que cet outil n'est pas venu pour carrément changer ton quotidien, mais plutôt améliorer ton quotidien. Mais par contre, cette partie prenante qui sera à l'extérieur, elle ne va pas parler d'outils, elle va parler, par exemple, de son local. Est-ce que moi, on va me déplacer pour m'envoyer sur un autre site, par exemple, d'habitation et tout derrière. Donc, le critère, c'est en fonction du type de projet, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, en fonction des différentes parties prenantes qu'on a. D'accord. Une autre question. Comment Yeah. gérer la satisfaction changeante des parties prenantes secondaires? Ah, ça, c'est. Voici une question aussi très complexe. Mais tout part de la cartographie. Hein. Donc, dès le départ, ça a été l'objet de mon sujet, de mémoire. Tout part de la cartographie au départ. Donc, on voit généralement des projets qui sont déployés et c'est dans la réalisation du projet que certaines parties prenantes se lèvent pour dire, par exemple, on ne m'a pas consulté pour faire tel type de projet. Ça, ce sont des choses qui ne doivent pas arriver normalement dans la gestion de projet rigoureuse. Donc, la gestion de projet stratégique. Voilà. Normalement, ça ne doit pas arriver. Donc, la cartographie, quand on dit cartographie, ça doit vraiment balayer. Voilà. Il y a un travail un travail de fond qui s'est fait en amont, qui doit identifier toutes ces parties prenantes. Mais ce n'est pas parce qu'on les a identifiées aussi qu'on reste figé. Donc, on les identifie au départ, donc la cartographie. Après, il y a ce contact-là. Donc, en fonction de la matrice de communication qui va se mettre en place, on aura par exemple les fréquences de change avec les différentes parties prenantes. Est-ce que ce sont des personnes qu'on va voir peut-être chaque semaine, chaque mois, en fonction de l'envergure du projet qu'on a? Voilà. Donc, cartographie, analyse des besoins des différentes parties prenantes. Parce que quand il les a cartographiées, il faut savoir les besoins. C'est quoi? Est-ce que le projet va les impacter directement ou indirectement? Donc, en échangeant avec ces parties prenantes, donc c'est vraiment du corps à corps, hein, en échangeant avec ces parties prenantes, on va comprendre les besoins et en fonction de les besoins, on va les adapter au fur et à mesure. Donc, si on prend par exemple le projet du tramway, je sais plus, du train qui est en train de se faire à Abidjan, avant de lancer même ce projet, la cartographie des parties prenantes doit nous faire comprendre que le train va passer ici. Donc, on doit rentrer en contact avec toutes les parties prenantes qui seront impactées par ce projet-là pour les faire comprendre que voici le projet qui sera et leur donner une option de relocalisation. Et ces parties prenantes doivent les approuver. Donc, tous ces éléments-là doivent être achevés pour que demain, quand on dit, par exemple, il y a eu ce projet, je pense qu'il y a eu même ce problème au niveau du quatrième pont avec les habitants d'Atécoulé. Hein? Donc, voici un peu comment est-ce qu'il faut anticiper cet élément et puis, au fur et à mesure, les adapter, échanger avec les parties prenantes pour répondre à leurs besoins. Il ne faut pas attendre dans le déroulement du projet pour chercher à trouver la solution, non. Faut trouver d'abord la solution avant de déployer le projet. Merci Est-ce beaucoup. que j'ai répondu à la question? Non. Ok. Nous sommes Je tous pas, satisfaits de ta réponse. je parle souvent un peu trop. Hein? Non, il n'y a pas de souci. Mieux tu prends le temps pour expliquer quand on te pose des questions, tu es sûr que nous, on a compris et qu'on a les bonnes interactions que de faire un Ok. monologue. Donc, merci beaucoup, Stéphane, pour le temps que tu prends pour nous.
Parfait. Donc, ça, c'est vraiment un résumé pour dire que la collaboration entre business analyst et PMO, gardien du temple, et puis porte d'entrée, l'élément pivot, voilà, c'est une communication qui va permettre d'effectuer une transparence, hein, dans le projet. Donc, la communication business analyst, PMO, ça crée vraiment une transparence dans le bureau de projet. Ça, je vous l'assure, pour avoir vécu vraiment ça, ça crée vraiment une transparence. On voit vraiment qui fait quoi, qui doit faire quoi, quels sont les éléments qui sont pris en compte dès le départ, même avant de déployer le projet. Donc, on aura une communication transparente, donc ouverte, éviter les retards, bien entendu, réduire les malentendus. Donc, généralement, on a des bureaux projet où on n'a pas de business analyst. Ça fait Question. qu'il y a beaucoup de malentendus. Question? Oui. Yeah. J'entends parler de bureau de projet. Nous, en Afrique, on ne connaît pas bureau de projet. Du moins, moi, je ne connais pas bureau de projet. Je connais équipe de projet, mais un Ah. bureau de projet, OK. qu'est-ce que c'est? OK. Mais c'est simple, hein, comme le nom le dit, un bureau de projet, ce sont les personnes qui seront réunies, si tu veux, l'équipe de projet se réunit pour exécuter un projet. Voilà. Mais ces personnes vont se réunir, que ce soit virtuel ou physiquement, ces personnes se réunissent dans un bureau de projet. Donc, l'équipe de projet D'accord. sera réunie dans un bureau de projet, que ce soit virtuel ou physique. Ok, c'est bien Voilà. noté. Voilà. Donc, encore, ouais, n'hésite pas à poser des questions parce que en fonction de l'environnement dans lequel ici, c'est clair qu'il y a des thèmes sur lesquels on peut être un peu. Il y a Roland qui a une question, je crois. Roland, ton micro est ouvert. Oui, c'est une intervention. Bon, bonsoir tout d'abord. Merci pour les réponses, Stéphane. Oui, bonsoir, Roland. Ouais. Bon, j'aborde un peu dans le même sens que la dame qui a parlé tout à Nadège. l'heure. Nadège, c'est ça? Yes. OK. Au fait, comme tu l'as si bien dit, Stéphane, faut voir un peu. Moi qui suis un peu en Amérique du Nord, il va de soi que PMO, on se comprend. Mais dans le contexte africain, ce n'est pas évident. Je reviens un peu sur la clarification pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Est-ce que quand on prend une équipe projet, d'un projet, par exemple, de construction du quatrième pont d'Abidjan, est-ce que c'est toutes les personnes qui participent aux réunions ou bien toutes les personnes de cette équipe qu'on appelle PMO ou bien il y a une tierce personne qui chapeaute tous les projets en fait? Merci. OK. Donc, j'interviens dessus, mais devant, on va voir un peu plus. Hein. OK. Je laisse le suspense là, mais devant, on verra un peu D'accord. plus. Mais je peux rapidement intervenir là-dessus. Donc, encore une fois, en fonction de notre bureau de projet ou de notre équipe de projet, voilà, en fonction de la complexité des projets qu'on a, parce qu'on a des bureaux de projet avec plusieurs programmes, qui ont plusieurs programmes à l'intérieur. Donc, on peut avoir plusieurs PMO. Donc, d'entrée de jeu, j'ai dit, on a PMO qui sera Project Management Office, qui est le bureau de projet. Et puis, on aura le Project Management Office Officer. Donc, ce sera la personne qui va être le gardien du temple. Il va se dire, bon, ici, on va utiliser, par exemple, la gestion de projet carrément traditionnelle ou on va utiliser la gestion de projet hybride. Voilà. Donc, c'est cette personne qui va s'assurer que tous les processus qui sont dedans respectent le cadre dans lequel on s'est fixé, on s'est dit qu'on travaille. Voilà. Super. Donc, un peu devant, on verra un peu quelques nuances. Donc, ici, je parle plutôt de PMO personne, vu qu'ici, je parle de BA Business Analyst, c'est vraiment la personne. Donc, là, je parle de PMO personne. On est sorti carrément du PMO bureau. C'est un peu bon déjà, un peu devant, on verra. Donc, pour rentrer ici, on va rentrer dans des exemples assez concrets. Donc, on va voir, par exemple, on aura cinq exemples. Exemple ici, je pense qu'on est parti à cinq ou six, je ne sais plus. Donc, le premier exemple, ça sera un projet de transformation digitale. Voilà. Donc, ici, par exemple, un projet de transformation digitale, ce sont des projets qui impliquent l'intégration de technologies numériques dans tous les aspects de l'entreprise pour améliorer les opérationnels et la valeur, au fait. Voilà. Donc, dans ce type de projet-là, voilà, le business analyst va analyser les besoins des utilisateurs. On verra un exemple après, un exemple palpable. Le business analyst va analyser les besoins des utilisateurs. Il va identifier les processus métiers qui doivent être digitalisés. Certains vont me dire, mais bon, un chargé de projet classique ou bien PMO en tant que personne, normalement, avant de lancer un projet, il analyse les besoins. Oui, mais ce n'est pas son rôle. Le business analyst
en tant que rôle, ce sont des personnes qui font des formations hein, en business analyst. En Norvège, je pense bien qu'il y a un master en business analyst et tout. C'est vraiment leur rôle d'aller faire cette identification-là. Parce que quand ce n'est pas ton rôle, c'est vrai, tu vas identifier, mais il y a certaines exigences qui ne vont pas rentrer en ligne de compte. Voilà. Et on se rend compte à la fin que le projet qu'on livre n'est pas accepté généralement de tout le monde. Donc le business analyst va faire ce travail de fond-là, initialement. Voilà. Et derrière, le PMO ici, donc le bleu sera pour le PMO, le vert sera pour le business analyst tout au long. Voilà. Le PMO, il va planifier, coordonner la mise en œuvre. Voilà, de cette nouvelle technologie, par exemple. Donc, les deux travaillent en symbiose. Voilà. On va prendre, par exemple, un projet de transformation digitale d'un système de gestion des ressources humaines. Voilà. Donc, on a une petite entreprise qui avait son système de gestion hein, avec un fichier Excel, si vous voulez, ou bien peu importe une application et tout. Mais derrière, il y a des besoins qui se sont fait sentir. Donc, l'entreprise a décidé d'améliorer des parties à une autre version. Donc, ici, dans ce type de projet, on va donner la description. Donc, ce projet consiste à remplacer le système de gestion des ressources humaines actuelles par une solution digitale intégrée pour améliorer l'efficacité, la conformité et la satisfaction des employés. Donc, moi, en tant qu'employé, par exemple, je veux être capable de voir à travers mon portail, par exemple, ma fiche de paye, voir pourquoi est-ce qu'il y a tel élément qui manque sur mon salaire et tout derrière. Donc, ça, c'est des exemples actuels. C'est la finalité vraiment du projet. Donc, derrière, le business analyst va faire une cartographie. Elle va aller chose, analyser les besoins donc des différentes personnes. Donc, ça sera par exemple le gestionnaire des ressources humaines, la personne utilisatrice. On aura les employés qui auront vraiment ce besoin, les administrateurs et tout le monde. Donc, le business analyst va cartographier les parties prenantes, va aller discuter avec elles, analyser les besoins. C'est quoi vos besoins? C'est quoi vos besoins? C'est quoi vos besoins? Donc, après avoir récolté ces besoins, le business analyst va documenter les processus métiers. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le rôle de Nadège dans ce type de projet. Donc, cartographier les processus métiers actuels, recrutement, gestion de performance et tout, et identifier les inefficacités. Donc, qu'est-ce qui ne marchait Le pas dans l'ancien fameux. système? Voilà. Qu'est-ce qui ne marchait pas dans l'ancien système et on veut passer dans le nouveau système? Donc, tout ça, il faut vraiment Exactement. expliquer ça aux gens pour dire ce qu'on vient de mettre en place ici, là, c'est pour améliorer tes besoins. Voilà. Donc, on Exactement. analyse vos besoins, on vient améliorer ses besoins. Donc, vous voyez que cette cartographie derrière va créer, comment on dit ça, un courant favorable si c'est dans une entreprise, hein, dans l'entreprise, tout le monde va se sentir là-dedans parce qu'il y a cette cartographie qui s'est faite au départ. Mais parfois, chez nous, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Le directeur est parti peut-être dans un séminaire, il a vu telle application, une nouvelle application. Bon, il décide qu'on vient planter ça dans l'entreprise. On implante et puis voilà, personne ne travaille avec. Ou bien on travaille avec, chacun commence à se plaindre. Oh, c'est lent, on n'arrive pas à travailler, c'est difficile de l'utiliser et tout. C'est parce qu'on a sauté cette étape du travail du business analyst. Donc, pour sauter un peu, pour aller un peu rapidement, derrière le PMO, lui va planifier le projet. Donc, le business analyst va lui dire, bon, j'ai parlé de façon terre à terre. Mon frère ou ma soeur, voici ce que les utilisateurs attendent de nous, voici ce que le RH attend, voici ce que l'administration attend. Voilà, voici ce qu'on doit déployer. Donc, dedans, il aura peut-être tout le monde, les développeurs. Voilà. Ici, il faut comprendre que dans un bureau de projet, il y a tout le monde. Hein. Bon, vous aurez, par exemple, les développeurs dans ce type de cas-là, tous ceux qui vont avec, les testeurs et tout ça derrière. Donc, il va dire, par exemple, voici le problème qui a été posé, voici où on veut aller. Donc, le PMO, par exemple, va mettre le cadre de travail. Donc, ici, on va travailler peut-être en agilité, et bien, on va travailler en hybride. Voici, par exemple, le framework qui sera utilisé, comme on l'a dit tantôt. Et puis, derrière, voici la planification qui va aller avec. Donc, derrière, voici un peu les deux rôles dans ce type de projet-là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Donc, ici, ce n'est pas parce que j'ai mis gestion des risques. Ça veut pas dire que le business analyst ne gère pas aussi les risques. Hein. Donc, le business analyst va gérer les risques. C'est vraiment de façon concomitante que les deux travaillent. Mais, de façon théorique, voici les éléments qui rentrent, théorique et pratique, mais si vous voulez, qui rentrent en compte chez le business analyst et plus chez le PMO en tant que personne. Est-ce qu'on a des questions sur cette partie? Pas de questions, Nadège? Non, pas de questions. Juste pour montrer la complémentarité, pour dire que le business analyst fournit les inputs qui vont permettre au PMO de faire les livrables attendus par le client. Ouais.
Ben, merci pour le thème spécifique. Mais est-ce que ça a été clair pour ceux qui sont connectés? Ah, okay. Donc, le même exemple ici avec le rôle du chargé de projet, parce que vous avez vu tantôt, j'avais parlé de business analyst de PMO. Voilà. Quelqu'un pourrait me dire, par exemple, mais le chargé de projet, il fait quoi dans tout ça? Voilà. Donc, il faut comprendre qu'on aura, en fonction toujours de la maturité du bureau de projet ou bien de l'équipe de projet, on peut avoir, par exemple, un PMO qui va charger le rôle de chargé de projet en même temps. Donc, en symbiose avec le business analyst, en fonction de la complexité, il y a des projets qui sont vraiment très mineurs, il le fait vraiment. Mais pour la gestion rigoureuse de projet, il faut comprendre qu'il y a le PMO qui sera là, le chargé de projet sera là, le business analyst sera là. Et les rôles sont vraiment identifiés. Donc, dans ce cas, le chargé de projet va gérer la planification du projet, la gestion des ressources et tout. Donc, le suivi, l'avancement, tout ça, c'est vraiment lui. Le PMO sera vraiment le coordinateur de la méthodologie, donc le gardien vraiment du temps. On va aller avec la Stéphane, deuxième. oui, Yes. juste sur le dernier slide, Ah, tu as parfait. dit que voilà, le PMO sera le gardien de la méthodologie. Et je pense que c'est là, à ce niveau, où, en fonction de comment est constitué le bureau de projet, il y a cette similitude entre le BA et le PMO. Parce que, par définition, nous, on nous appelle les garants de la méthodologie. Pourquoi? Simplement parce que on s'assure que les process qui seront implémentés, rattachés à l'application, qu'on arrive à suivre les différentes étapes et qu'on maîtrise en fait les flux. Et du coup, on assure en fait, on coordonne, si tu veux, toute la méthodologie derrière l'implémentation. Et donc souvent, quand le PMO, on va dire, ne maîtrise pas son scope, le BA va récupérer ça parce que par essence, c'est ce qu'on fait. C'est ça. Donc, comme je te dis, vraiment, le business analyst, c'est la porte d'entrée, tu vois. Donc, une maison, celui qui gère la porte d'entrée, c'est lui qui a vraiment surveillé. Si les voleurs rentrent dans la maison, qui a gâté la maison, ça sera le business analyst. Juste pour rigoler un peu. Donc, effectivement, comme Nadège l'a dit là, voilà. Et ici, je l'ai dit, hein, c'est pas des rôles qui sont figés dans le béton, non. Donc, en fonction du bureau de projet qu'on a, vous allez voir par exemple des rôles de business analyst qui vont s'étendre. J'en ai connu vraiment dans un ancien rôle où le business analyst s'étend vraiment sur tout le projet. Donc, un autre exemple avec le développement d'un logiciel, par exemple, d'une application logicielle. Donc, ici, la création, le déploiement, la mise à jour des logiciels pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise. Donc, le business analyst ici va recueillir encore une fois, documenter les exigences et tout, créer des spécifications fonctionnelles, travailler avec les développeurs. Donc, vous voyez ici que le business analyst vraiment sera comme du corps à corps avec les développeurs. Donc, vous voyez tout ce qu'il n'avait jamais dit là, s'assurer qu'on est dans le cadre parfait. Voilà, le cadre parfait pour nous, à harmoniser cela. Les développeurs, tu veux donc les développer, hein, juste pour rigoler un peu. Assurer que le produit final réponde aux attentes. Donc, vous voyez qu'on a le business analytics, c'est la porte d'entrée et un peu comme la fermeture. C'est vrai que tout le monde travaille sur le projet, mais on s'entend que, parce que si le produit livrable n'est pas accepté, on regardera tout de suite le business analyst. Donc, je prends par exemple une personne X qui va dire, ah ben, Nadège, je t'ai dit au départ que je voulais que l'application soit comme ça pour répondre à ce besoin. Mais je constate que ce n'est pas ce qui a été livré. Donc, voilà pourquoi un peu le business analyst se trouve carrément à la tête et puis aussi à la queue de la gestion de projet. Bien entendu, tout le monde est dans la gestion de projet. Donc, le PMO ici va gérer les ressources, les délais, les budgets, tout ce qui va avec. Ici, je n'ai pas mis d'exemple. J'ai plutôt mis un exemple sur ce type de projet. Donc, le troisième, un projet de fusion et acquisition, donc l'intégration de deux ou plusieurs entreprises. Donc, dans ce type de cas, par exemple, le business analyst ici va identifier encore des processus et les systèmes qui doivent être intégrés et harmonisés, par exemple. Voilà, tandis que le PMO va gérer les étapes du projet d'intégration pour s'assurer que tout se passe en douceur aussi. Ça aussi, le business analyst assure que tout se passe en douceur. Donc, faites vraiment la différence entre ces deux éléments. Comme je l'ai dit, il y a des rôles parfois qui peuvent rentrer chez l'autre, ainsi de suite. Mais on verra à la fin avec un schéma qui nous résume un peu tout cela.
Et par rapport à ce que tu viens de dire, j'aimerais rajouter, ou si ce n'est me répéter, le Bien PMO sûr. définit le cadre, et Le puis le cadre. PM maintenant reste le chef d'orchestre pour organiser le travail, pour s'assurer que ce que le PMO a défini en termes de qualité, de délai, là, on puisse répondre à ça. Effectivement. Donc là, je Une prends petite le... question. Yes. Sommes-nous dans quel contexte? Contexte agile ou bien le Hybride. waterfall ou bien hybride? Hybride. Hybride. OK. Toujours, j'essaie de donner un exemple. Voilà. Mais comme je l'ai dit OK. encore, ça va dépendre. Mais faut comprendre tout de suite. Quand on est en agilité, on ne parle pas de. On a déjà fait la précision, on ne parle pas de business analyst. Voilà. Mais ici, OK. vraiment, on est Parce en que... hybride. OK. Voilà. Parce que j'ai cru pour l'avant-dernier slide OK. où tu décris un peu le rôle du BI et Un peu avant derrière. ce slide. Ouais, avant ce slide. Voilà. Le rôle, moi, j'ai l'impression d'avoir mon product owner devant moi. Où ça? Non, Ah, ok. Voilà, le suivant. oui. Mais tu vois, actuellement, moi, je travaille au niveau de l'Assemblée. Bon, c'est vrai que c'est une petite parenthèse, sans toutefois parler de projets qui sont encore en cours de route. Mais chez nous, on parlera pas de product owner, tu vois. On parlera des chargés de projet. Mais OK. on travaille, je suis dans le numérique. On parlera des chargés de projet parce qu'on travaille en hybride. Donc, si tu veux, on prend le cadre de la gestion de projet traditionnelle, mais on prend les éléments de la gestion de projet agile qu'on intègre. Donc, on est Oui. carrément en hybride ici. Dans mon contexte actuel, je suis en hybride ici également. Je prends un exemple. On est en train de déployer Colibra, notre glossaire de données. Nous avons l'analyse fonctionnelle et puis le product owner qui nous permet de nous assurer que le déploiement qui est fait pour chaque groupe, chaque entité au niveau de ma structure respecte les exigences qu'il faut et que les contraintes applicatives puissent être respectées également. Donc, quand tu décris un peu le BA, j'ai l'impression de lire mon product owner en En fait. effet, c'est ça. Dans un Je contexte vais agile, c'est répondre. lui. Oui, Parce que c'est dans un la porte contexte d'entrée. agile. Et je vais dire simplement que l'agilité a pris de l'ascendant sur la business analyst et c'est devenu un Effectivement. effet de mode. Donc, tout le C'est ça. monde préfère se dire, je suis product owner, ça donne un genre, que de se dire business analyst. Parce que C'est ça. ce qui fatigue, et c'est ça tout le combat que nous sommes en train de mener en tant que business analyst, c'est le terme analyste là. Le terme analyste ramène à débutant en termes d'expérience professionnelle. Donc, rattacher ton expérience en disant que tu es business analyst, c'était comme si tu te rétrogradais. Alors, quand tu dis que tu es PO, ça fait tendance et tout. Alors que quand tu regardes dans les tâches, dans l'exécution, le gars, il n'est pas dans une équipe Non. agile pour dire qu'il y a un Scrum Master au-dessus de lui et tout. Non. Mais Effectivement. il préfère dire product owner. Donc, Effectivement. vous comprenez la complexité de Effectivement. notre combat de changer les mentalités sur la Le perception du métier de business analyst. Parce que c'est combat, il trop est beau quand tu légitime. dis tu es PO, ça donne un genre. Mais quand tu es business analyst, tu es analyste, ok, d'accord. Ben, bon, en tout cas, dans moi, ma structure, au niveau de mon employeur, nos business analysts, les exigences qu'on leur impose, c'est beaucoup, beaucoup la compréhension du business. C'est vraiment la compréhension du business parce que la validation Pratique de commerciale. c'est pardon? Ouais, non, vas-y, disais la pratique Oui. commerciale. Oui, la validation réelle, comment l'appelle-t-on, comme tu l'as décrit, prendre en compte le besoin au niveau de chaque corps de métier, bien au niveau de chaque métier, franchement, c'est eux qui sont les experts. Si eux nous disent c'est bon, habituellement c'est bon. Ça. Habituellement c'est très bon. On ne rate pas nos développements ou bien nos itérations. Effectivement. Vraiment, Merci. merci à toi aussi pour l'ajout, effectivement. Tu vois, donc, dans un contexte vraiment purement agile, on va regarder des product owners, des backlogs et tout, tu vois, tous les Exact. scénarios qui va avec. Exact. Exact. Mais si on veut être Mais vraiment dans un contexte. ce que je vois un peu comme différence, souvent pour arranger nos backlogs, ce n'est pas le BA qu'on envoie, c'est souvent le PO. Mais pour Merci. s'assurer que pour s'assurer de la pertinence de chaque activité à réaliser, c'est le BA qui gère.
C'est ça, parce que votre structure, votre organisation, vous l'avez définie comme ça. Et C'est comme ça, aujourd'hui, on c'est est dans un monde en pleine agilité, et ça. l'agilité demande de l'adaptation en fonction du Exact. contexte, il y a la rôle, on va dire l'organisation qui va avec. Donc, il y a des moments où tu es dans des équipes, le BA, le PO. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise où on travaille avec les BA, les PO, les PMO, les Scrum Masters, mais chacun avait en fait un rôle particulier à jouer. Exact. Voilà. Le véritable problème habituellement, c'est quand les parties prenantes entre griffes, bon, pas les acteurs ne maîtrisent pas leur rôle ou on n'arrive pas à définir les rôles et responsabilités de chacun. C'est Quand ça. c'est mal fait, c'est la pagaille. C'est C'est ça. ça, c'est sans cela qu'on parle de maturité du bureau de projet, tu vois. C'est ça. Et Exactement. je pense que Stéphane va bientôt nous parler aussi de la fameuse matrice RACI qui permet de rendre les choses Hey. très claires Si avant le démarrage du projet. je n'ai pas parlé ici, mais rapidement, on peut venir là-dessus. Hein. Voilà. Oui, J'adore je l'ai dit, cette matrice. effectivement. Voilà. Mais Donc, oui, dans un parce que bureau. ça t'évite des problèmes. Ah oui, Effectivement. ah oui, ah Effectivement. oui, Voilà. ah Comme c'est oui. de voir qui est responsable, et qui est Exact. approbateur, qui est consultant, qui doit t'informer. Donc, on dit Exact. le RACI, RACI. Donc, c'est vraiment pour mettre en place un bureau. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver déjà un bureau de projet qui est déjà là. Et parfois, on te met dans le moule. Mais ici, on travaille comme ça, ici, on travaille comme ça. C'est à nous d'apporter ce changement-là avec notre petite touche aujourd'hui, partout où on passe. Hein. Voilà. Donc, moi, franchement, dans mon mandat où je suis actuellement, j'y plais parce que j'apporte. Et puis, on discute et puis, on intègre ça en équipe. Vous voyez, c'est vraiment ça que d'être dans un bureau de projet où tout est figé et puis, on ne peut rien changer là. Donc, c'est vraiment l'exemple que j'ai poursuivi ici pour voir un peu les différences. Donc là, on est dans un projet de conformité réglementaire. J'ai pris, par exemple, la passation de choses de ISO 9001-2015. Je pense bien à ISO 9001-2024. Voilà, je pense. Est-ce que j'ai à travailler ce projet concrètement? Je ne sais plus trop. Voilà. Donc ici, par exemple, dans ce type de projet-là, c'est passation de... Oui, j'ai travaillé dessus en 2014. L'entreprise dans laquelle je travaillais devait passer d'une ancienne certification à la nouvelle version. Donc, il fallait faire la migration. Donc, ici, par exemple, le business analyst va analyser les exigences réglementaires. Donc, on va identifier et analyser les exigences de cette norme. Donc, derrière, le business analyst doit comprendre les exigences de cette nouvelle norme. Voilà. C'est vraiment un gros travail, hein, que le business analyst fait, ça, il faut le dire ouvertement. Et derrière, documenter tout ce qui est processus métier, Merci, spécification merci, merci. de conformité, de formation. C'est comme dans un match, hein. Si l'entraîneur ne fait pas les bons placements, il n'est pas. Ou bien le milieu de terrain qui doit être le pivot n'est vraiment pas à sa place, mais l'équipe est tombée. Stéphane, je renchéris un peu dans ta logique. Chez moi, j'ai quatre réglementations auxquelles je dois, sur lesquelles je dois veiller. Si je prends Parfait. juste une seule, le respect de la loi 64 chez moi, les données à caractère personnel, Personnel, oui. Ouais. c'est, nous utilisons un outil que nous appelons OneTrust. Et pour alimenter OneTrust, surtout OneTrust, nous nous basons sur le BA. Ce C'est n'est eux pas qui des trucs connaissent. confidentiels, hein, ou les noms, quoi, en fait. Où est les données à caractère personnel Non, non, de je nos vais dire clients? l'outil que vous utilisez, si ce n'est pas confidentiel pour les noms, en fait. Non, 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 pas Parfait. du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, OneTrust, ils font des efforts pour être un peu vulgarisés de par le monde. Voilà, ce que je disais, c'est par exemple, si je prends les données à caractère personnel, les systèmes, les applications où on peut avoir toutes ces informations qu'on a définies, les données à risque sur nos clients et tout, on se base essentiellement sur nos BA. C'est eux qui maîtrisent tout. C'est eux qui maîtrisent vraiment tout. Franchement, Mais les encore une fois, tu supports, vois, la porte ah d'entrée. oui. Ah oui. Ah oui, soyons honnêtes. C'est eux qui maîtrisent tout. Merci, merci, merci. Oh, merci, vous êtes formidable. Merci de reconnaître Ah, notre non, mais Nadège, je travail. renchéris, tu vois, c'est un rôle que moi je ne connaissais pas vraiment, mais quand j'ai eu à travailler avec eux depuis 2021, tu vois, j'ai eu à travailler avec des business analysts qui étaient vraiment, tu vois, hors pair. Tu vois, ils Waouh. rendent le travail tellement facile que Exactement. vous vous sentez à Exact. l'aise dans le projet. Exactement. Et puis, l'autre facette aussi, dans moi, mon rôle, je suis des fois amené à rédiger des processus
Et je n'arrive pas à le faire sans les BA. Mais tu C'est peux pas pas, c'est possible. pas ton rôle. C'est ça. Nous, en fait, à travers les tâches, on arrive à avoir le flux. Donc, c'est facile de t'orienter en termes de Exact. rédaction de process. Effectivement. Voilà. Bon, Donc, bref, c'est... je vais courir un peu rapidement sur ces exemples-là pour tomber dans la dernière partie et puis on va faire notre petit QCM rapide, assez facile et puis. Ah, Mais ton donc. thème, excuse-moi, avant que tu ne continues, mais ton thème, c'est beaucoup de passion. On discute avec des passionnés, donc Et on ne voit même effectivement. pas le temps passer finalement. Là, je viens de voir qu'il est 20 heures passées. Effectivement. Effectivement. Ben, je regarde un peu ma montre là. Voilà, donc le dernier exemple, par exemple, ça sera le développement de produits. Donc ici, par exemple, j'ai mis un peu les trois rôles en bas, aller rapidement là-dessus. Donc, le déploiement, le lancement d'un smartphone, par exemple. Qu'est-ce que le business analyst va faire ici? Donc, il va faire une enquête hein, sur les besoins des consommateurs. Donc, vous voyez, ici, on voit que le business analyst est à la porte d'entrée. Donc, on veut lancer un smartphone sur le marché. C'est le business analyst qui va faire voilà, une étude de faisabilité. Donc, pour le thème passé avec, j'ai oublié son nom. Donc, derrière, il y a toutes ces... Il y a tout ce travail-là qui sera effectué, des prototypes de validation. Donc, on voit ici qu'on change carrément un peu quelques tâches par rapport aux anciens projets qu'on avait pris. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. C'est vraiment très vaste. Donc, ici, le chargé de projet sera, par exemple, la planification des exécutions, la gestion des trucs, le suivi et tout ça, le PMO. Il sera aussi dans la planification, hein, du projet, la gestion des ressources, le suivi et tout. Donc, on va vraiment définir au départ, le rôle de chacun pour voir. Alors, synthèse de la collaboration durable. Donc, dans un niveau de projet, j'ai essayé de synthétiser ici. Hein, sûrement, ici, dans un niveau de projet dans lequel on travaille sur des projets de type projet. Désolé pour voilà, la redondance. Projet. C'est-à-dire les projets de type projet, dis-nous. Alors, les projets de type projet, on parlera ici des projets de. Comment on appelle, des projets qui apportent une valeur ajoutée par rapport aux... Les évolutions, c'est tout ce qui est de la routine. Donc, les évolutions, ça sera vraiment ce qui est... Il y a des projets type routine en entreprise. Je ne veux pas donner des exemples parce que c'est des choses un peu confidentielles parfois, tant que ce n'est pas encore déployé. Mais il faut comprendre, par exemple, quand je dis projet type projet, la refonte d'un site web, par exemple. Donc, il y a l'ancien, on veut faire un nouveau site web. Ça, c'est un projet de type projet. Mais on aura aussi des projets de type évolution, peut-être l'amélioration juste peut-être d'une fonctionnalité dedans, dans ce qui existait avant. Ok, Ça c'est un projet je de type comprends évolution. ce que tu veux dire. C'est bon. Ok. Voilà. Donc ici, on va au départ carrément, hein, donc le business analyst, toute la partie opportunité, fiche d'opportunité. Voilà, ça, on voit ici qu'on est à l'intérieur d'un bureau de projet carrément. Ce n'est pas comme une équipe de projet qui était envoyée dans une mission. Non, non, ici, on est carrément dans un bureau de projet. Donc, j'ai bien spécifié ici. Donc, toute la partie opportunité, analyse et tout ça, c'est vraiment le business analyst qui va le faire. Et puis, après que le PMO crée le cadre de travail dans lequel on est, le framework et tout ça. Et lorsqu'on passe dans la phase de pré-démarrage, si tu veux, ou de démarrage, le chargé de projet, mais si vous voulez ici, bon. C'est juste pour faire comprendre que j'ai limité là, mais sinon le business analyst est tout au long de cette structure. Le PMO aussi sera tout au long de cette structure. Mais dedans, ici, on est vraiment au niveau du chargé de projet, du coordinateur de projet et du contrôleur même de projet. Donc, quand on veut descendre vraiment dans du micro-management, le contrôleur de projet va venir encore soutenir encore en bas. Donc, en fonction de la maturité du projet, il y a plusieurs acteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Est-ce qu'on est bon là? Il n'y a pas de questions, hein? Non, on est bon. Si tu OK. veux, là, sur la partie évolution, même en français, ça reste évolution. C'est en anglais, on parle de change request, enhancement, mais c'est le même contexte, quoi. On a les projets de type new requirement. Oh, c'est plus en anglais qu'on peut mieux expliquer. Expliquer ça. Voilà. C'est ça. Mais désolé si vous ne voyez pas très bien ici, mais je voulais expliquer un peu avec un terrain de foot. Voilà, pour dire un peu le rôle du business. C'est vraiment pas figé, hein, ça, c'est une idée qui vient comme ça, et puis j'ai voulu mettre ça ici. Donc, le business analyst ici sera considéré comme le milieu de terrain. Donc, le milieu de terrain est souvent considéré comme le cerveau de l'équipe. Je suis pas en train de dénigrer les autres rôles, hein, donc, pour ceux qui vont regarder la vidéo un peu plus tard.
Voilà, reliant la défense et l'attaque. Donc, vous voyez les va-et-vient qui vont se faire avec le business analyst. Donc, le business analyst relie les besoins des utilisateurs et les solutions techniques en analysant et en documentant les exigences pour s'assurer que l'équipe de développement comprend ce qui doit être réalisé. Le business analyst doit également être un excellent communicateur et facilitateur, tout comme un milieu de terrain qui orchestre les mouvements de l'équipe sur le terrain. Donc là, c'était pour donner un peu, pour ceux qui regardent, je sais qu'il y en a plusieurs personnes qui regardent le foot, même si je ne suis pas fanatique. Ici, le chargé de projet qui sera plutôt le défenseur, donc le défenseur central, suit la solidité de la défense, donc coordonne avec les autres défenseurs, donc les autres chargés de projet aussi, bien entendu, et veille à ce que les attaquants adverses, hein, ne passent pas. Voilà. De la même manière, le CP est responsable de la planification et de la coordination des activités du projet, de l'assurance, de l'avancement et de l'ajustement des plans. Donc, il faut ajuster les plans et tout, si nécessaire, pour éviter les risques et les problèmes. Donc, toujours en collaboration, on avait pris ça comme exigence, il y a eu un changement, est-ce qu'on doit adapter? Oui, on adapte au fur et à mesure, le chargé de projet va ajuster ses plans, il va ajuster ceci, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable? Et puis, il y a cette communication qui s'est faite de façon transversale. Donc, le PMO ici sera plutôt comme l'entraîneur. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, le business analyst est dans le terrain. Voilà. Le PMO, c'est vrai, il est un peu comme les gardiens des top, mais il n'est pas trop dans le terrain. On va dire ça en griffe. Donc, il sera considéré comme l'entraîneur, responsable de la stratégie globale de l'équipe, voilà, de la présentation des joueurs, de la gestion des ressources. Le PMO joue un rôle similaire en standardisant les processus de projet, en gérant les ressources et en assurant le suivi et l'évolution des performances du projet. Pour l'entraîneur, comme le PMO, doit avoir une vision d'ensemble et veiller à ce que tous les membres de l'équipe travaillent ensemble efficacement pour atteindre les objectifs. Donc, voici un peu comment est-ce que je voulais résumer ces différents rôles sur un terrain de foot et tout. Est-ce qu'on a des questions avant qu'on passe à leur petit QCM vrai ou faux? Est-ce qu'on a des questions? Non. Non, pas de Nadège, tu peux regarder questions. si on a des questions et tout Non, derrière? pas de questions. Pas de questions? Ok, d'accord. Donc, on va passer à la partie. Il y a 10 petites questions ici. Hein. C'est vrai ou faux. On va donner peut-être juste 2 ou 3 minutes et puis après revenir dessus ensemble. Ou bien je lis et puis voilà, celui qui a la réponse peut répondre. Alors, la première question, les environnements de projets complexes impliquent souvent de multiples parties prenantes et des objectifs conflictuels. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que quelqu'un peut répondre? C'est vraiment des questions assez rapides et tout. Les environnements de projets complexes impliquent souvent de multiples parties prenantes et les objectifs conflictuels. C'est vrai ou faux? Anifa, Kofi Amon, Roland. Donc, on a vu un peu c'est quoi un environnement complexe, quels sont les éléments les caractéristiques d'un environnement complexe. On avait des plusieurs parties prenantes et tout, les incertitudes et tout. Donc, on demande ici, les environnements complexes de projet impliquent souvent de multiples parties prenantes et des objectifs conflictuels. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon, je réponds, c'est vrai. Oui. J'ai répondu. Ah, tu as répondu? Oui, c'est vrai. OK, parfait. C'est ça. Deux, la satisfaction des parties prenantes n'est pas un critère de succès pour le projet, vrai ou faux? On a encore combien de minutes pour finir en fonction de ça? Je sais si je vais vite ou pas. Il nous reste 19 minutes 19 exactement. minutes. OK, parfait. Oui. C'est juste la dernière partie. Est-ce que Roland est toujours avec nous? Il a dû se lever peut-être. Oui, je suis là. Ah, ok, d'accord. On s'est fait ce petit QCM là ensemble et puis on va goûter. Donc, on demande si la satisfaction des parties prenantes n'est pas un critère de succès pour les projets. La satisfaction des parties À mon prenantes humble n'est pas un avis, critère. c'est du false. Voilà, La ça. satisfaction est très importante. Effectivement. L'analyste, pardon, d'affaires est responsable de l'analyse des besoins des utilisateurs
et de la documentation des spécifications fonctionnelles. Vrai ou faux? C'est du vrai. OK. Le PMO, les autres, hein, vous pouvez répondre aussi. Hein. Voilà. Il n'y a pas de bonne réponse. Si ce n'est pas bon, on se dit c'est pas bon et puis on le justifie ensemble. Le PMO standardise les processus de projet et assure la gestion des ressources. Il est dans son rôle, je pense. Okay. Le coordinateur de projet, donc coordinateur, bon, ici pour CP, n'ont pas besoin de surveiller l'avancement du projet ni d'ajuster les plans si nécessaire. Oh, d'accord. Alors, on va sur du faux, ça c'est normal. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui répond aussi dans le chat. Okay. Donc, on va sur les 6. Les projets de transformation numérique nécessitent la collaboration entre business analysts et PMO pour identifier et mettre en œuvre les processus numériques. Pour moi, c'est vrai. Voilà, parfait. Dans les projets de développement des logiciels, les business analysts n'ont pas besoin de documenter les besoins des utilisateurs. Oh. Ça tient pas la route, hein. N'est-ce Ça tient pas la route. pas? Ça Ah, tient pas du tout la route. ne tient pas du tout la route. Donc, le 8 est le projet de conformité réglementaire, ouais, comme ISO et tout ça, implique que les PMO traduisent les exigences réglementaires en changeant les processus, okay? Tandis que le business analyst veille à leur mise en œuvre. Vrai ou faux? C'est le contraire, je pense. Ah, c'est là que j'avais juste mis un petit piège, j'ai changé. Le Ouais, contraire. c'est ça, effectivement. Donc là, c'est plutôt business analyst, ici PMO. Voilà. Voilà. Effectivement. Donc, la communication régulière et la transparence ne sont pas essentielles pour éviter les retards et les malentendus dans les projets. C'est faux. Ça, c'est faux. Les projets de réorganisation d'entreprise nécessitent que le business analyst identifie les domaines d'amélioration, tandis que les PMO gèrent la mise en œuvre des nouvelles structures, processus. C'est du vrai. Voilà. Donc, l'adage. Oui, le 10, c'est bon, c'est du Voilà, vrai. le 10, c'est bon. C'est un peu vrai, faux, bref, ainsi de suite. Cela va être tout pour cette présentation. J'avais beaucoup de choses à dire. Je me suis dit, vu le petit délai, voici les éléments qu'on pouvait toucher. Après, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, de façon résumée, puis interactive, hein, parce que ça a été vraiment chouette. S'il y a des questions et tout, et puis des échanges, des points à ajuster. Moi, je te dis merci déjà pour, en tout cas, l'approche que tu as eue pour ce BA Talk-là. Je pense que les questions sont venues naturellement. Il y a eu plein d'échanges assez constructifs. Donc, merci à Roland, merci à Anifa, merci à moi aussi qui a participé. Je pense que c'est des sujets qui sont passionnants. C'est important de revenir dessus pour ne serait-ce se rappeler de cette belle collaboration-là qui nous lie avec les PMO et les BA. Peu importe l'organisation dans laquelle on est, lorsqu'il s'agit de collaborer pour atteindre un résultat, en tout cas, on essaie tant bien que mal de collaborer. Et je pense que là, chacun a eu à partager sa petite expérience. Roland, il a parlé de comment est-ce que c'est organisé chez lui. Toi aussi, tu nous as parlé de comment est-ce que tu as travaillé avec les billets sur différents projets et tout. Donc, vraiment, merci d'avoir rendu ce moment-là très, très interactif et très intéressant. Donc, si vous avez encore des questions, on a quand même 11 petites minutes qui nous restent. Donc, n'hésitez pas à poser les dernières questions que vous avez. Nadège, si on a d'autres questions à part qui nous viennent à l'esprit après la séance, la présentation, est-ce possible de les adresser sur un email? Oui, c'est possible de les adresser sur l'email de Stéphane directement ou c'est l'email de IBA qui vous a envoyé le lien pour rejoindre le talk OK. d'aujourd'hui et elles seront transférées à Stéphane. Mais je sais que Stéphane, c'est quelqu'un de très ouvert, donc vous pouvez le suivre sur Oui, les réseaux oui. sociaux, sur LinkedIn, sur Voilà. Facebook. Il fait beaucoup de choses en dehors de faire des talks. Il essaie aujourd'hui, en tout cas, de galvaniser la gestion de projet.
tout ce qui est outils de gestion, d'analyse de données. Et aussi, bientôt, je pense qu'il va devenir coach motivateur parce que là, ses posts aussi sont en train de nous booster tous les jours. Moi qui le suis depuis un bon moment. Donc, vous pouvez le suivre sur LinkedIn, Facebook. Je pense qu'il a sa page YouTube aussi où il fait des vidéos sur la gestion de projet, comment traiter les données avec des tableaux de bord et tout. Donc, vous pouvez, il est accessible. N'hésitez pas. Oui, j'ai pas d'informations confidentielles. Je sais pas si je peux mettre dans la vidéo. Il y a une dernière slide à mes coordonnées dessus. Est-ce que Oui, ça peut... vas-y, bien sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr. Donc, Roland, il n'y a pas de souci. Oui. Hein. Je suis très actif sur LinkedIn, sur WhatsApp, ça ne me dérange pas. Hein. Voilà, je n'ai pas de problème. J'ai mon mail aussi ici. Et puis, sur YouTube, c'est le même nom. Hein. Si tu vois Stéphane Guessant avec un accent, tu vas voir. Sur YouTube, oui. Sur Alors, TikTok j'essaie de aussi. te retrouver sur LinkedIn, mais j'ai plusieurs indécents. J'ai Ah, plusieurs OK. indécents. Stéphane Guessant, virgule MBA, tu verras avec une photo Si de tu peux ton mettre nom. le lien de ton OK, profil sur parfait. LinkedIn. Ah, mais il y a le QR code. Non, Dans le c'est bon, QR il peut code, voilà, scanner. tu fais juste des scanners Voilà, avec. c'est bon. Super. Voilà. Ah, c'était plus simple. Ce QR code, je vais mettre plus long. Je suis très actif et plus ouvert. Ça ne me dérange pas que ce soit WhatsApp, LinkedIn, Facebook Super. et tout derrière. Ah, vraiment, merci beaucoup Stéphane. Je pense Merci à que toi, ma belle. je vais passer aux dernières nouvelles pour le prochain Billet Talk. Donc, il aura lieu le mercredi 30 et à partir de 19h. On va le faire en ligne et le thème sera le Lean Management. On aura un expert en Lean Management qui va venir exposer de manière, on va dire, global, donner un aperçu sur le lead management et comment est-ce que le business analyst dans un environnement multisectoriel peut utiliser le lead management pour délivrer de meilleurs résultats. Donc, restez connectés, l'affiche sera bientôt partagée. N'hésitez pas à vous inscrire pour cette session-là. Donc, c'est mercredi 31 juillet 2024 avec Roland Poissy, donc qui va nous parler du lean management. Donc, merci à tous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Nous allons mettre la vidéo de l'enregistrement sur YouTube et ça sera partagé sur toutes nos plateformes pour vous permettre de visualiser encore ce talk-là que nous avons eu avec Stéphane Guessant. Donc, merci à tous et bonne soirée. Merci Nadège, bonne soirée à toi Merci aussi. à tout le monde, bonne soirée.